Ce printemps-là, mes parents m'avaient confié le temps des vacances à des cousins, à la campagne. Je n'ai jamais travaillé avec aucun cinéaste de ce type. Ah ben, ils sont manifestement d'une autre planète. Je ne serais pas étonné qu'ils soient tombés de l'espace. Pour moi, c'est plutôt des artistes, plasticiens. Ils sont tellement loin du monde du cinéma, et c'est pas un défaut, hein, c'est plutôt une qualité. Ils ont une précision et un pouvoir d'évocation poétique comme j'ai rarement rencontré. C'est des gens qui utilisent absolument toutes les sensibilités, les expressions artistiques pour montrer à travers le cinéma leur univers. Lorsqu'on nous demande de définir nos films comme genre, c'est difficile de mettre dans une case. Mais nous, on dit, ce sont des contes naturels. Enfin, dans ce film-là, La Clé des Champs, comme pour Microcosmos d'ailleurs, la nature n'est pas vraiment réaliste. Et on aime bien ça. On travaille au moins la moitié de toutes nos séquences en studio. Alors à ce moment-là, il faut reconstituer la nature. Et c'est un travail très intéressant et qui nous passionne. Oui, je connaissais leur travail, oui. Et ça m'a fait évidemment très peur. Parce que la barre est très haute, quoi. Que la qualité de Microcosmos, par exemple, était très impressionnante. J'ai envie de dire que c'est la première et la seule fois où ça m'est arrivé de travailler avec deux réalisateurs. Mais c'est presque un chiffre idéal, c'est le 3. Et pour la création, je pense que c'est un très bon chiffre. Ils ne sont pas en parfaite symbiose. Ils sont très complémentaires. Ça nous apporte quelque chose de travailler ensemble. C'est-à-dire, ça aide à approfondir, comme on a une grande complicité. Enfin, pour moi, je crois que pour Claude aussi, c'est une richesse, quoi, de travailler ensemble et d'aller plus loin, de peaufiner, d'avoir plus de rigueur. Enfin, c'est bien, malgré que ce ne soit pas toujours facile. C'est assez stimulant, je pense. Ouais. Difficile. Bon, évidemment que c'est difficile. Mais tout ce qui est difficile, c'est intéressant. Les choses faciles n'ont aucun intérêt. Donc, travailler à deux, c'est difficile et passionnant. Si on se laisse emmener, comme je pense c'est facile de le faire, se laisser emmener par les visions incroyables des insectes et par le monde enfantin aussi de tout ça, il y a un souffle poétique que j'ai rarement rencontré. C'est irremplaçable de sortir d'un film en se disant oh, on a oublié tout pendant une heure et demie. C'est un film qui me fait du bien, voilà. Et bon, j'espère qu'il fera du bien à d'autres et qu'à moi. C'est un bol d'air formidable. Oh,